Mesdames et messieurs, c'est reparti. Je finis ma cigarette, je remets la cam, normal. Nous devons aller nous parler à Drickstar pour tuer le roi d'Oxenfurt. Le roi dont je viens de perdre Radovir. J'avais cru que j'avais perdu le nom. Loup blanc, C'est parti. bienvenue au Passiflore. Hein? Salut. Les yeux jaunes ne me remettent pas. Salutations. J'ai dû pas mal changer depuis notre dernière rencontre. Je sais même pas qui c'est. Dernière rencontre qui était. Il y a des lustres. Tu as débarqué avec Maître Jasquier et deux Alflas. Ok, je te connais pas. Cette nuit est restée dans mes mémoires. Oui, désolé, je suis venu pour. Parle moins fort. Je sais pertinemment pourquoi tu es là. Bah, du coup, je ne sais même pas qui tu es, connasse. Ok, c'est parti. Bon, une pomme, je m'en fous. Ok. C'est gentil. Là, des bandits. Dijkstra. Ah, Gérald, te voilà. J'y ai réfléchi, je veux bien tuer le roi. Un endroit pour préparer un assassinat. Qu'avons-nous à craindre? La moitié de la ville en rêve, non? Oui. Au contraire, c'est l'endroit idéal pour une réunion de ce genre. Après tout, c'est ici que Falca a planifié sa révolte. Et par extension, l'assassinat du roi Vridank. Oui, mais tu parles d'un truc qui date il y a 1000 ans, mon ami. La même ouais, voilà. Qui a provoqué le plus grand bain de sang de toute l'histoire de la Redania. Sa rébellion a changé la face du monde, voilà ce que nous avons en commun. Pour ce qui est du sang, seul celui de Radovid nous intéresse. En tout cas... Je suis content que tu sois des nôtres. Je n'étais pas certain que tu acceptes. Ah, c'est pas pour rien et triste que je le fais. Je pense que c'est parce que Radovid, c'est un taré. J'ai reçu ton invitation. Je suis venu. C'est tout. Venons-en au fait. Tu connais mon associé, je crois. Roche. L'école? Qu'est-ce que tu fais ici? Rocher! J'ai rejoint le club des espions à la retraite. Putain, on vient de se voir il y a 2 minutes. Un roi, autrefois. Et aujourd'hui, tu veux en assassiner un? Pas de gaieté de cœur, mais... Je n'ai pas trouvé de meilleure option. Radovid ne sert que ses propres intérêts. Quand Kedwen a demandé son aide, il a envahi le royaume. Quand je l'ai imploré d'envoyer des troupes à la rescousse de Vizima, il m'a mis à la porte. La fin de la guerre est proche. Le moment est décisif. Nous devons agir vite. Je ne me fais pas d'illusions. Pour que la Téméria soit libre, Radovid doit mourir. Moi, ouais, tu m'as bien convaincu. Et vous avez besoin de moi pourquoi, les copains? Qu'attendez-vous de moi? L'un de nos conjurés est parti rencontrer un informateur. Mais il n'est jamais reparu. La réussite de notre plan dépend de ce qu'il a pu apprendre. Nous devons le retrouver. Et je ne connais pas meilleure lignée que Je l'ai déjà dit 4 fois, ça. Vous pouvez m'en un dire pisteur, plus. Quoi. Où a-t-il été vu pour la dernière fois? C'est un cordonnier itinérant. Ou plutôt, c'est sa couverture. Il devait traverser le pontard en passant par le point de contrôle. Toujours hein, la musique qui est au-dessus, je sais pas pourquoi. Nous avons un homme là-bas qui devrait pouvoir t'en dire plus. Un certain Grégor. Non, si, si, vas-y, je vais aider. Je vais voir ce Grégor. Merci. Et si possible, essaie d'être discret. L'avenir de la Téméria, l'avenir de tout le Nord dépend de la réussite de cette mission. Compris. Vas-y, vas-y, je vais aller voir. Pas tout faire foirer. A plus tard. On compte sur toi. A plus tard. Bah, de toute façon, on a que ça à foutre. Quelqu'un dans la rue, je veux dire. Non, personne. Du pain, tiens, j'ai envie de pain. Tu trouveras pas mieux. Salut les copines. Je crois que... Si je passe par là, je dois avoir un point de TP sur la droite. Attendez, j'ai pas envie de me perdre quand même.
Ouais, c'est ça. Au pont Grégoire. Là-bas. Ok. Et bah allons voir ce limier. Non, c'est moi le limier, je suis con. Ah, c'est ici. J'ai fait les points d'interrogation ici. Ouais, j'ai tout fait. De toute façon, j'ai mon laissé passer, c'est pas un souci. Salut copains, on se connaît, on est copains, vous inquiétez pas. Oh, j'ai cru qu'ils allaient venir m'attaquer, j'ai eu peur. Non, je vous jure, j'ai vraiment eu peur. Le pont de machin. Je cherche Grégoire. C'est parti. Vous l'avez trouvé. Qui êtes-vous? Geralt de Rive. C'est Dijkstra qui m'envoie. Je vois. Suivez-moi. Suivez-moi. Depuis bien avant votre naissance. Ordre de notre miséricordieux souverain, le bon roi Radovid. Ouais, bah, le vachement bon. Sur la droite, c'est un chaman du village voisin. Il a donné un mauvais conseil de trop et quelqu'un l'a dénoncé. Un voisin avait une dent contre celui de gauche. Il l'a accusé de sorcellerie. Tout ce que je vois ici, c'est la nature humaine. Radovid n'est pour rien dans tout ça. Ah oui, vraiment. Et à votre avis, qui a décrété qu'il fallait pendre ces bougres pour les punir de ces crimes? Bah non, non, non. C'est le roi, c'est le roi, c'est le roi. Je sais même pas pourquoi je viens de défendre le roi, là. C'est à propos de notre ami cordonnier, j'imagine. Il est passé par ici, ouais. Mais il est jamais revenu. Hier, la patrouille a signalé un chariot abandonné près de la route. On serait bien allé y jeter un œil, mais... Merci, je vais aller voir ça. Adieu. Attendez, vous avez un laissez-passer? Sans ça, vous pourrez pas revenir. Oui, oui j'en ai un, t'inquiète. Parfait. Sinon, je triangle. Dans ce cas, bonne chance. Merci. J'ai le triangle, sinon. À plus tard. Oh, avec le décalage, j'ai l'impression que... Oula, je me suis perdu. Bah tiens, prenons le bateau. Prenons le bateau. Ouais, prenons pas le bateau du tout, en fait. C'est parti, on va y aller à pied sur un côté. Il y a tellement de gens sur le pont. À chaque fois il y a des trucs écrits mais j'y comprends pas la moitié donc bon. Un marchand itinérant, que as-tu à me proposer? Montre-moi. Moi tu vends des signes et de la merde, ok. Par contre, je veux bien te vendre tes vieilles lames dégueulasses que je viens de te choper sur des morts. Bon, ça c'est 173, jamais tu pourras me la racheter. 41 pour celle-ci, vas-y. Oh! Oh, l'armure de taré. C'est une bonne botte, ça, en vrai. Bon vent. Bon vent, bisous. Trouver le chariot du cordonnier. Le chariot a l'air intact. Bah c'est là. Bizarre. Je devrais fouiller aux alentours. Je trouverai peut-être quelque chose. Des signes là. De lutte. Quelqu'un a été assommé ici. Puis traîner au sol. C'est bon? Ok. Là. Une chaussure. Quelque chose me dit que je suis sur la bonne piste. Il ne reste plus qu'à retrouver son propriétaire. Là. Une chaussure. Quelque chose me dit que je suis sur la bonne piste. Là. Oui, non, mais là, puis ça tournait à droite. Ici, puis ici. Ok. Ici. J'ai perdu le fil. Ici. Donc je tirais par là.
Par là. Par là. Il ne reste plus qu'à retrouver son propriétaire. Une chaussure. Quelque chose. Il est remonté par là. C'est toi qui as tué mon... Bonjour. Bien comme on les trolls. Je suis parti. Je suis choisi. Source ça. Je vois ça. Je me demandais juste comment ces chaussures avaient atterri ici. Chaussures poussées ici. Comme champi. Les chaussures ne poussent pas comme des champignons. Dis-moi la vérité. S'il te plaît. Rogue va dire, sinon Rogue est pas en colère. Non mais, t'inquiète, juste que tu me dises. Ce sont tes amis. Rogue, Pog, grand trouveur. Trouvez hommes dans chariot, beaucoup chaussures. Je vois. Et qu'ont-ils fait de cet homme? Rogue, Pog, hommes dans caverne, là-bas. Vous l'avez mangé? Non, hommes pas bons, pas viande. Plein d'os. C'est vrai. Work. Hog faire. Mais pourquoi vous les avez pris alors faire. Pour Hog, Pog et Rogue. Il leur fait faire. Bah oui, c'est un cordonnier. Tu as vraiment besoin de chaussures? C'est une bonne question ça. Chaussures vouloir. Ah, j'ai perdu un follow. Pog et Rogue. Au bout de pleurer. Comme ça. Il me dit, je perds des follows. Au revoir. Il doit y avoir un... Où est la grotte des trolls? Il y a une entrée de grotte ici. Oh, ça me détruit. Salut les copains. Ah bah oui, mais je connais la grotte. Je reconnais la grotte. Talar, j'aurais dû m'en douter. Qui d'autre aurait pu apprendre des jurons à des trolls? Geralt. Eh ben ça alors, ça fait un putain de bail. Je le connais pas, c'est qui? Zomki. Du calme, Hog. Ce bougre est un vieil ami à moi. Ami bougre partir. Ou jeter dans la zouplette. Je suis un peu trop coriace, je crois. Beaucoup trop coriace, c'est vrai. Regardez-le. Ce bâtard n'a que la peau sur les os. Eh bien, mes amis trolls, il est temps pour moi de partir. Et entraînez-vous bien. Vous ferez passer un vrai examen à mon retour. Dollar, pas partir. Dollar, poser cul par terre. Dollar, connard, faire chaussure. Moi, ça me va de les tuer. Si ça vous dérange pas. Je n'ai pas le temps de négocier avec des trolls. Pousse-toi, Dollar. Ouais, j'avoue que c'est des trolls. J'avoue, trois trolls de pierre là. Pas le mieux le feu, mais ça se gère. Attends, ça se loot. T'étais pas obligé de les tuer, tu sais. Oui, mais ils m'ont saoulé. La vie n'est pas trop dure avec toi? Bah, je me sens un peu comme un doricor. Je me fais discret, j'évite les emmerdes et je bouffe des patates. Ça veut rien dire, ça fait un bail. Quoi de neuf? Les empaffés de Nilfgaard ont anéanti les serviteurs. Et maintenant. Attends. Base... Porte-toi. Ça sert à rien ce que ouais. Je fais. Escorter Talar. Ok, je me suis dit pourquoi je lui parle. Bon, j'aurais pu quand même écouter la con. Ouais, bah je vais tuer les trolls et ça quoi. Inventaire rapidement. Bon, ça me frustre à chaque fois. Un petit 50%. Allez, viens, on sort.
c'est parti. J'espère que t'as des infos pour moi, Tal-Tal. C'est bon, je t'ai escorté. Ok, je sais pas où est-ce qu'on doit aller du coup. Trop stylé la vie. On va où? C'est on fait la moitié du trajet? On va... Je sais pas, on va voir la capitale rhénanienne juste comme ça, là? Fila Novigrad? C'est long, là? Je peux même pas le pousser. Allez, cours, fais quelque chose, on va où? Ah, au chariot, merci, je suis con. Gérald. Ça va aller maintenant. Et compte sur moi pour raconter à Roche et à Dijkstra comment t'as découpé ces cons de trolls en rondelles. Je te parie qu'ils vont en chier dans leur froc. Au revoir. En avoir besoin. Radovid est plus malin qu'une pute qui a la chaude pisse. Et bah alors. Vient par le trousser. Bientôt, tout le Nord parlera de comment le grand Radovid s'est fait défoncer le cou. Oui. J'espère qu'il ne parlera pas de trois assassins tenaillés et écartelés. T'en fais pas pour nous, Gérald. On sait ce qu'on fait. Adieu. Vous savez ce que vous faites? Ouais, mais du coup, conjuration, le roi, il est mort, là, enfin... Je suppose que vous avez d'autres choses à me demander, quête. Course! Et je vais faire la course au Père-Chauffreau, si elle se revalide pas, je pète mon câble. Chasse au trésor, et principal, il reste la solution théâtrale. Ok, donc on aura quand même pas mal avancé. Si je vais tout droit, j'ai mon poste frontalier, ok. Allons faire cette petite course de Père-Chauffreau, je sais pas. Oh, c'est juste à côté, Père-Chauffreau, ça fait longtemps qu'on n'y est même pas allé en plus. Ok, c'est parti. Voyage rapide. Avec le roi. Je me demande ce qu'il devient, du coup, notre baron sanguin. S'il s'occupe de sa femme, s'il a revu sa fille. Moi, j'avais bien kiffé l'arc. Une 49, on avait repris à une 24. Hein. Est-ce que ça serait l'heure de prendre la route pour Skellige? Je sais pas. Allez, petite course. Alors, vous allez... Tiens. Je voudrais... Inscrivez-moi. Mais vu que je l'ai déjà fait, je sais pas. Salut, Grison. En fait, c'est bizarre. Alors, vous choisissez qui? Bogdan le Noir. Je vais choisir Bogdan le Noir. Ok, donnez-moi votre... Allez. Flemme des discours. Oui. En gros, la strat. Vous allez voir. Utilisons un petit peu pour l'instant. Grosse ambiance.
Mais putain! Bah. Ok. Ah ouais? Bah nique-toi. Ah. J'explique que mon cheval était bloqué. Bon, il y a d'autres candidats. Alors, vous allez participer ou... Je voudrais... Pas besoin d'inscrire. Salut Grison. Alors, vous... Hey, Max Tolobeg. Ok, donnez-moi votre... T'as intérêt à pas me faire creep block cette fois. Ok, c'est parti. Ah, faut affronter tous les jeux. Non, par contre, faut arrêter. Nique-toi. Oui, il est rattrapable, Tu me fais pas traverser le pont, je m'énerve. Pourquoi mon cheval s'est arrêté? Oh, je vais pas m'énerver. Ok, gauche, droite, on l'empêche de passer, On redémarre. C'est le but du jeu, c'est juste faut l'empêcher de passer, puis ça passe quoi. Allez, je te nique. Excusez-moi. Pas mal. Vous avez l'air de maîtriser les chevaux aussi bien que les monstres. Tenez, voilà votre or. Si vous en voulez encore, revenez me voir. Alors, ok, bah il me reste le dernier à affronter. Je voudrais... Pas besoin d'un script. Salut Grison. Alors, vous chouettez... Il me reste Bogdan le Noir. Va falloir t'accrocher. Ok, donnez-moi votre... En avant. Oui. Wow, t'es marre, putain. Cheval de merde, là, ça m'énerve. Bah alors. Quelle idée de dire des gros mots. Oui. Là, gauche, droite, gauche. Ok, et on a assez pour finir à la ligne d'arrivée. C'est parfait. Oui, on a assez. Ah, j'ai le doute maintenant. Oui. Et nice. Oui, on avait assez. Ok. Ok, il fallait combattre les trois adversaires. Pas mal. Vous avez l'air de maîtriser les chevaux aussi bien que les monstres. Tenez, voilà votre... Et là, c'est bon, c'est fini. Ok, plus de course à perchauffreux. Gwind. Si, je peux rejouer face au baron. Ouais, bon, bateau sur Skellige, enfin, plein de trucs, mais je pense que pour aujourd'hui, on va se laisser là. On en aura fait des choses hein, sur cette belle carte de Novigrad. Des points d'interrogation manquants, des sites d'énergie manquants, des entrées de grotte, je sais même pas si ça marche. Parce que tu rentres dans la grotte, qu'est-ce qu'il y a? Bah, une grotte. Des points d'interrogation avec des boss de fin, des nids d'araignées. Mais dans l'ensemble, on aura quand même fait beaucoup de choses. Cette quête là, c'est quelqu'un qui nous demande d'aller sur Skellige avec lui.
Donc, quand on ira sur Skellige, on ira voir ce monsieur et on capera sur Skellige un jour, mais pas tout de suite. Comment on fait? Carte du monde. Novigrad, Skellige, Blanchefleur, ou du moins Velen. On aura tout fait sûr à 100%. Ouais, j'ai l'impression que tout a été fait sûr à 100%. Après, c'était une petite map celle-ci, mais je la trouvais très agréable. Ok. Le palais du roi Vizima. Et la suite, c'est notre belle archipel de Skellige. Qui me fait de l'œil, surtout en regardant toutes ces petites îles, en se disant qu'est-ce qu'on peut y faire et tout. Ça se voit qu'il y a des trucs par là et tout. Mais on a une belle grande île principale. Alors, la taille, elle a l'air quand même vachement conséquente. Et plus tard, le giga grand duché de Toussaint. Qui est magnifique. Bien que aussi grand que Novigrad. Mais level 22, Velen Ether, désolé, on aura quand même pas mal avancé. Eh ouais. Ouais, bon, bah, Skellige, c'est pas pour tout de suite, de toute façon. Quittons cette belle course. Sauvegardons la partie. Et laissons-nous là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va sauver Boubou. Oh, c'était Boubou qu'on devait sauver, je sais plus. Enfin, on va sauver les gens. Et on part pour Skellige cette fois-ci, parce que je pense qu'on n'aura plus grand-chose à nous proposer à Novigrad. Bisous YouTube, c'était Bob le Caribou. Et à demain. Pour partir à Skellige. Ouais, demain. Je travaille pas l'après-midi. Bisous YouTube, c'était Bob le Caribou.